Donc, workout terminé! Je me sens tellement bien, là. Oh my god! Et puis là, il fait vraiment beau dehors. Puis là, je viens de regarder la température. Puis j'étais comme, il semble qu'il a l'air à faire chaud. Il fait 24. Fait que là, faut que j'aille à l'épicerie. Je suis en train de me dire, est-ce que je me mets en shirt? Mais on dirait que je suis pas game. On dirait que, genre, c'est un peu too much. Mais en même temps, il fait 24. Fait que, en tout cas, je vais juste. Je vais me maquiller. Ben, je vais me laver la face, là. Je vais me maquiller, puis après ça, je vais aller à l'épicerie parce que je vais faire ma salade que l'autre fois j'avais faite avec taboulé et tout ça. Fait que je vais vous montrer ça. C'est vraiment bon. Fait que, see ya! Donc, finalement, j'ai décidé de me faire un masque. Là, je dois être encore plus orange avec la lumière. C'est le L'Oréal Pure Clay. Mais c'est comme les anciens, je pense qu'ils en ont sorti des nouveaux. Mais c'est ça, c'est l'ancien là. Puis celui-là, c'est pour c'est argile pure, fait que ça l'exfolie. Dans le fond, ça l'exfolie, fait que le pot est quasiment vide là. Club piscine. Hey, là, j'ai la lumière puis ma face. Fait que ouais, ça l'exfolie puis le pot est quasiment vide. Puis je pense que dans le fond, ça fait un bout que je l'ai, fait que I guess qu'il va bientôt passer date, là. Parce que je vais le laisser dans mon visage. Puis après ça, je vais pas me maquiller finalement. Je pense que je vais laisser ma peau respirer aujourd'hui. Parce que anyway, je m'en vais à l'épicerie. Je m'en fous carrément. Fait que j'ai laissé ça agir. Je vais finir mon coffee de ce matin. J'ai pas ceux qui s'entraînent, mettons, j'ai une question pour vous. Je sais pas si ça fait ça, moi je suis une maniaque de café, là, tu sais, je peux en boire comme 3-4 dans une journée. Puis depuis que j'ai commencé mon programme 21 Days Fix, les 3 semaines que je l'ai fait, ben, genre, dernièrement, j'ai remarqué que, tu sais, moi ok, c'est vraiment pas clair. Moi, je bois du café parce que j'aime ça, le goût du café. Et aussi parce que ça me donne de l'énergie puis de la motivation. Mais il y en a, tu sais, qui aiment... Tu sais, j'aime vraiment ça boire un café parce que j'aime ça au goût, là. Mais là, récemment, comme l'autre fois, je passais 2 jours sans boire de café puis j'étais comme... C'est trop pas moi, là. Moi, ça me prend mon café le matin en me levant puis j'en ai même pas pris 2 jours en ligne. Finalement, j'ai fait plein d'affaires, j'ai oublié puis j'ai fait comme... Hey, j'ai même pas bu de café aujourd'hui. Puis j'avais full d'énergie. Ça, je comprends parce que, tu sais, quand tu commences à t'entraîner, après, t'as full plus d'énergie pis tout. Fait comme, tu sais, j'étais pas fatiguée rien, mais comme, ça m'a étonnée que j'avais même pas le goût de boire un café, genre, pour le goût. Je sais pas s'il y en a, si ça vous a déjà fait ça, mais je trouve ça vraiment bizarre. Comme, même qu'un matin, hier matin, ça m'a comme quasiment levé le cœur, là, juste de penser à boire un café. Man, c'est weird, là. Je sais pas si ça a rapport, là, mais en tout cas. Là, j'en bois un, mais comme en ce moment, je boirais vraiment un café glacé, mais je pense que je vais retourner m'acheter le café froid, là, que l'été passé, là, Alexandra Larouche, elle avait parlé, puis il n'y en avait plus nulle part, là, d'Improvico, je pense, ça se vendait, d'un Maxi, là, je m'en rappelle plus comment ça s'appelle, parce que ça, au moins, c'est comme... Parce que là, genre, je pense à un café glacé du McDo, là, moi, qui les aime vraiment beaucoup. Ça me lève le cœur parce que je sais que c'est plein de sucre. En plus, je prends vanille. Fait que c'est encore plus de sucre. Puis comme j'aimerais mieux à la place, je pense, je vais m'acheter le café. Hey, mais je pense, là, vous savez ou quoi? C'est vraiment gênant, là. Ok, non, je l'ai jeté parce que récemment, là, il y avait dans le fridge encore un truc du café glacé, là. Ça, c'est quoi? Je vais ramener ça au Lush. J'ai comme 5 pots de Lush en bas. Et ça, là, c'est pas ces dates en maudit. Meilleur avant 2016-2017, l'année passée. Ça fait 2 ans, Marc. Puis 2017 aussi. Oh, ça, c'était le mien. Je l'ai jamais fini. Vraiment malade. C'est encore bon, mais le Chris est expiré d'un an. Ouais, j'ai 5 pots en bas, puis je vais aller au Lush tantôt. Ben, ça fait 3 jours que je me dis que je vais aller au Lush, puis j'ai jamais le temps, ou j'y vais juste plus finalement. Fait que je veux vraiment aller là tantôt. Et
Mais là, il m'en manquerait deux pots. À moins que. Je vais regarder. Ok, je vais enlever ça, puis. Puis je vous reviens. Donc là, je m'en vais à l'épicerie acheter quelques trucs pour faire la salade que je vous parle de. La salade de taboulé. C'est tellement bon, j'ai tellement faim. Enfin, je pense que je vais manger ça. Je vais checker ça, mais c'est quand même nourrissant. Puis il est déjà 2h30. Fait que si je me fais ça, puis je choupe tantôt, genre je devrais être correct. Fait que, en tout cas, je m'en vais acheter les ingrédients, puis je vais vous montrer comment la faire. C'est vraiment facile, puis so delicious. Ok, j'ai vraiment plus de batterie, mais voici ce que ça donne. Ça donne vraiment une grosse portion, là. Checker ça, là. J'ai mis dans un gros pot. Dans le fond, ça vous prend deux pots de. Taboulé comme ça, moi je prends Fontaine Santé, là c'est déjà tout fait. Avec une canne de pois chiche, une canne de black beans, puis je mets un pot complet, les petits pots de feta, là. Ben les normales, j'en mets un complet, puis ça donne ça. Fait que genre, tu sais, t'en as pour une secousse, là. Si tu veux faire la moitié, ben tu mets juste un pot de taboulé avec moitié d'une canne, moitié d'une canne, moitié d'un feta, là, mettons. Là. C'est tellement bon, là. Salut! Il est rendu 7h30. Pas encore clair, c'est tellement hot. Puis je m'en vais porter le jeu Unlock, comme ça ici, que mon ami m'a prêté hier. Fait, je vais aller lui redonner. Dans le fond, c'est comme dans mon autre vlog, là, je vous ai montré qu'on a joué à un jeu d'escape room. Là. Ben ça, ce n'est un autre, mais il y a trois énigmes dedans. Puis ce qui est nice, c'est que c'est avec une application sur ton cell pour comme trouver les énigmes puis tout. Ben c'est comme plus pour valider tes réponses, c'est dans ton cell puis tout. Fait comme pas comme l'autre qu'on avait fait là dans mon autre vlog qu'il fallait découper des trucs puis tout puis dessiner sur des affaires comme là après tu peux plus l'utiliser. Mais ça c'est sur, vu que c'est l'application sur ton cell, ben tu peux le passer à tes amis, tu sais, puis ils peuvent le faire à leur tour puis après tu peux leur vendre. Parce que un coup tu l'as fait les trois énigmes, ben je veux dire c'est fini là. Fait que comme c'est un peu poche, surtout que c'est quand même comme 40-50$ je pense là. Fait que c'est ça, mais je m'en vais redonner puis j'ai fait les trois énigmes. Ben je l'ai fait deux hier avec jus puis tantôt j'ai fait elle la première dans le fond parce que jus elle a déjà fait, fait que je l'ai fait tout seul. Mais c'était un niveau de difficulté facile, sauf que tout seul c'est quand même plus tough. Ben c'est le temps surtout là, parce que chercher les cartes tout seul là, ça va moins vite. Fait que c'est ça. Fait que j'arrive là. Bye! Salut! J'étais avec Liz. Les poster books. Hey! Je pense que c'est la première fois qu'il me voit poster books. Je pense que oui pour rire. Là, j'ai fait goûter ma petite salade. On m'a resté beaucoup, hein? Mm. Avec les bonnes. Tu l'aimes? Oui. Oui. Fait que on mange une petite salade. Puis on a acheté un autre jeu d'escape. Escape Room, mais Liz n'a jamais fait. Fait que on a acheté la cabane abandonnée. Puis ben hâte de voir ce que ça va donner. Puis ça fait 3 jours en ligne que je fais des jeux d'énigmes. C'est bien le fun. Fait que on va jouer à ça. Hein. Ça va être cool. Fait que si y a la gang. Puis Liz, ton expérience. Ça a pris 3 heures. Ouais. Et demi. 3 heures. 3 heures. Mm. Coupé. C'était très long. On a eu 2 étoiles parce que ça disait que, coupé. Que ça prenait 90 minutes, mais coupé. On a eu un petit peu de misère à le faire. C'est pas grave. Coupé. Maintenant on est fatigué. Hein? Là, je suis fatiguée. Ok, bye Liz. Bye. Bye.